contré, bien défendu. Il prend sa chance. Et le but dans vos buts. Il est à la récupération. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce match. C'est, figurez-vous, Pierre Ménès qui est avec moi pour commenter ce match. Et Pierre Ménès est avec vous, et Hervé Matou aussi. Bonjour à tous. C'est une formation qui s'était imposée à domicile lors de son dernier match. C'est vrai, un match avec un score fleuve et une belle victoire. Je sens que cette formation est irrésistible. L'équipe à domicile, dont voici... est déjà une faute. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il prend sa chance. Ah, il met ce but. Oh, que c'est beau. Et regardez comment il a mis ce ballon dans la lucarne. Un défenseur complètement à la rue hein, sur cette action. Ouais, le buteur a remporté son duel et puis il est parvenu à attraper le gardien. C'est parfaitement joué. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah, quel début de match tonitruant avec ce but dès les premiers instants. On s'approche du but. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. C'est le face-à-face avec le gardien. La frappe. Et le but dans vos buts. Ah, il est en jambe aujourd'hui, hein. C'est son deuxième but dans ce match. Le but sous un autre angle. Ils ont à présent une avance confortable. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Il est à la récupération au milieu de terrain. Le duel avec le... Ah oui, le tir. Et c'est un but. Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. Cette équipe a dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ça part bien. Oh là là, l'occasion. Ouais, quel but! Magnifique! Ah, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Alors, on voit son troisième but dans ce match. Ah, la défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en train de faire un récital. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Alors encore un but, le score qui est déjà de 4-0. Christensen. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, cette attaque qui avorte finalement.
Ah ouais, très bien pris. Attention, la frappe. Ah, ça va rentrer, ça y est. C'est une action vraiment, vraiment bien construite. Une bonne séquence de possession collective pour ensuite aller remporter un face-à-face avec le gardien. Il est impossible à arrêter dans ce match. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Il est plus qu'en réussite. Maintenant, il va falloir resserrer le marquage sur lui. Pas simple. Ça fait 5-0, une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Ouais, de l'autre côté. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. En profondeur. Ouais, le centre peut-être. Il prend le temps de centrer. Niklas Hellenius. On a bien dosé cette passe de la tête. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il choisit la frappe. Et le but! Il était dans la surface et il frappe en force sur la droite du gardien. On voit ce but sous un autre angle. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée! Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, il a dribblé, magnifique! Il a choisi de centrer. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah, un bon ballon d'attaque. Ouais, la frappe. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. C'est un corner. Bon, dégagement, le tir, ballon capté par le gardien. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Le ballon qui sort. Attention, il n'y a plus que le gardien. Avec un tir et l'arrêt du gardien. On va laisser jouer, avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Michael Lamb. Ouais, la lutte est après pour reprendre ce ballon. Ouais, très bon tacle. Il récupère le ballon. Le face-à-face avec le gardien. Et la voilà, la frappe. Le corner donc. Attention, la tête. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. C'est la mi-temps. 6-0 à la mi-temps. Je ne sais pas si j'avais déjà vu ça dans ma vie avant.
On se dirige vers une raclée record. L'équipe à domicile qui a réalisé une bonne première période. Cette équipe qui s'illustre en général par son excellente défense. Ce joueur qui sort après avoir livré un très gros match. Hein. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. Alors, est-ce qu'on va assister à une seconde période à sens unique comme la première? Il faut voir s'il se réveille en face. Hein. Mais pour l'instant, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. L'arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors jeu de peu, mais hors jeu. Attention, ça peut être dangereux. Il prend sa chance. Il choisit la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. L'arbitre qui accorde le corner. Le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters. Oui, il faut dire qu'il a réalisé un gros match. Bravo à lui. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ouais, la frappe. Ah oui, c'est dedans! Et le gardien est impuissant sur ce ballon qui passe sous la transversale. Quelle action, Pierre. Surtout, quelle finition. Hein. Oui, c'est vrai. Tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Timing exceptionnel. On voit ce but sous un autre angle. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Hein. Ils sont en pleine réussite. Christensen. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Le bon ballon. Non, sans problème pour le gardien. Ah, il perd le ballon, bon tacle. C'est le face-à-face avec le gardien. Ah, oh, quelle occasion sur ce contre. La frappe. Oh, sur la barre! L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton? Ah non, ballon perdu. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Bonne anticipation sur cette interception. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ils construisent, ils font tourner. Oh, l'occasion! Oh, sauvé par la barre! Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Bonne anticipation sur cette passe.
Et ce ballon qui est perdu. Et la voilà la frappe. Ah bah ce tir, il aura fait peut-être une seule victime, quelqu'un dans le public, on ne sait pas. L'entraîneur qui va faire un changement. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, peut-être une bonne occasion. Il prend sa chance. Ballon bien négocié par le gardien. L'action qui se poursuit. Oh, l'arbitre estime qu'il y a avantage. Avec un tir. Et c'est un but. Et encore un but, histoire de parachever cette belle victoire. Oui, puis histoire de passer aussi les dernières minutes vraiment tranquille. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Michael Lamb. Attention, ça peut être dangereux. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Trois minutes de temps additionnel au minimum. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Hors jeu, oh dommage, il était tout seul. Voilà, c'est terminé sur cette victoire facile, acquise avec beaucoup de maîtrise. Et le score est sans appel, on a assisté à un match vraiment à sens unique aujourd'hui. Ah, on peut quand même saluer le professionnalisme d'une équipe qui a joué tout le match à fond pour marquer un maximum de buts.